Là, on avait, au niveau du premier confinement, on avait interdiction d'ouvrir les clients avant le 17 juin. Voilà. Là, on est ouvert, donc on peut recevoir des clients pour des motifs impérieux, mais pas des clients à séjour touristique. Voilà, donc c'est un peu la différence principale par rapport au premier confinement. Et nous, on a fait le choix de rester ouvert, parce qu'on avait des clients résidentiels qui voulaient rester plus longtemps, et ça nous a permis d'accueillir. Pour avant le lundi de Pâques, d'accueillir des clients qui voulaient rester ici pour le confinement. Il y a une dizaine de clients qui ont fait le choix délibéré de venir passer le confinement sur le camping. Voilà. Donc, soit en tente ou en camping-car, et profiter de la plage, de balade en vélo, de l'attractivité de la ville, parce qu'il y a quand même tous les commerces qui sont ouverts, le marché. Voilà, ça fait dans un cadre assez idyllique. C'est une Un peu ambiance spécial. de confinement, voilà. C'est d'habitude, oui, sur le mois d'avril, il y a à peu près 600 séjours. Là, on aura 18 séjours, puisqu'on n'aura pas le droit de faire d'autres séjours. Donc voilà, c'est le calme, une relation privilégiée avec les clients. Et puis, c'est prendre son temps au niveau des clients. Et puis, on n'entend pas un bruit, on entend le bruit des vagues quand la mer est assez forte. On voit les animaux, on entend les oiseaux. Voilà, tout ça, en saison habituelle. On ne l'a pas.